I'm above. And everything would seem turning into love zone. Coucou à tous, donc je vous retrouve dans notre petite maison de vacances, on est bien installé et bien arrivé au bout de 12 heures de route. Donc je vous retrouve, je voulais vous montrer quand même mon avancée de ce fameux pull bizarre. Donc voilà, il a un petit peu grandi quand même, ça fait moins pull de poupée. Donc voilà, et ça donne ça. Voilà. Donc là, en fait, je vais arrêter de le grandir tout autour. Et je pense que je vais donc faire l'autre côté, bien sûr, et rallonger un petit peu la longueur du pull. Donc j'ai commencé l'autre côté. Comme ça, vous allez bien voir la construction. Et ça donne ça. Je pense que j'ai presque fini. Quelques tours, mais... Voilà. Donc là, je vais le coudre, mais enfin pas le coudre, parce que je vais crocheter pour l'assembler. Et ça va donner voilà. Donc maintenant, je pense que prochaine étape, vous le verrez sur moi terminé. Et ensuite, si j'ai le temps pendant les vacances, j'attaque ma veste d'hiver. Alors, pour ça, j'ai choisi la Drops, l'Alaska, mélangée avec, c'est de la laine que j'avais, de, je sais pas ce que, Eline de Mondial Tissu que j'avais acheté il y a longtemps avec du mohair dedans. Donc je vais voir un petit peu ce que ça fait le mélange des deux et je vais essayer de faire une veste dans le même avec la même technique que ce petit haut là. Voilà, je vous montrerai quand j'aurai fini ça et quand je commencerai ma veste. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que là on va faire un petit tour à la mer. Bonsoir à tous. Donc je vous retrouve après 15 jours de vacances dans le Cotentin. Là nous sommes rentrés il n'y a pas longtemps, c'était super sympa, ça fait du bien de changer d'air, même si ici c'est magnifique. Me contente de rentrer quand même. Donc voilà, alors je vous retrouve pour vous parler un petit peu d'aquarelle. Comme vous avez vu juste, comme vous avez vu juste avant que je rentre, il y a une petite vidéo sur un dessin que je suis en train de faire à l'aquarelle pour illustrer notre album de vacances, notre album photo.
Donc voilà, je suis super débutante, je sais pas dessiner, mais j'adore ça, ça me détend. Alors mes dessins sont très très enfantins, je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai fait à l'aquarelle pour faire la petite fille qui monte ses dessins. Donc voilà. Mais je voulais quand même vous parler de ça parce que franchement c'est génial, essayez une ou deux fois quand même, ça vaut le coup. Et vous parler aussi des personnes que je suis sur Insta ou sur YouTube, qui sont eux des artistes, des illustratrices et illustrateurs que j'adore. C'est pareil, ça vaut le coup d'aller jeter un œil parce que c'est super sympa. Voilà, donc je vais commencer par mon matériel rapide que j'ai, que je peux vous conseiller si ça vous intéresse. Donc j'ai acheté une boîte vide que je remplis au fur et à mesure du temps avec des petits godets aquarelles qu'on achète à l'unité. Donc moi j'ai choisi la marque Sennelier parce que j'aime bien. C'est une bonne qualité et c'est franchement c'est super. J'ai déjà essayé les aquarelles Action. Mais non, ça, enfin, il y a vraiment une grande différence entre les deux. Pourtant, il y a plein de choses sympas hein, chez Action, mais l'aquarelle, enfin, commencez plutôt avec les couleurs primaires et faites des mélanges. Mais voilà, achetez quelque chose de correct. Sinon, vous allez être déçu dès le début, c'est dommage. Donc voilà, donc là, elle se remplit au fur et à mesure avec des petits godets d'aquarelle. Donc ça, voilà, c'est Sennelier. Alors c'est pareil, hein, tous ces conseils me viennent des gens que, des illustrateurs que je regarde sur la toile. Hein. Les pinceaux, j'utilise des pinceaux, alors soit des pinceaux comme ça à réservoir d'eau. Donc là, il y a des mines plus ou moins grosses. Là, il y a la réserve d'eau et en pain, pardon, on appuie au fur et à mesure, enfin plus ou moins fort, pardon, je vais y arriver, j'ai du mal là aujourd'hui. C'est le retour des vacances. Donc on appuie plus ou moins fort pour faire partir l'eau. Donc c'est pas mal, c'est sympa, j'aime bien ces pinceaux-là. Et sinon, j'utilise des pinceaux exprès aquarelle que j'ai achetés à ma petite boutique d'Albe et qui sont très bien. Et pour le papier, c'est pareil, j'ai suivi des conseils où je vous tourne le dos à chaque fois. J'ai acheté, alors chez d'Albe aussi, parce que ça reste quand même correct au niveau des prix. Du papier, mais du papier 100% coton. Et c'est vrai que c'est sympa. Comme Caro From Woodland, c'est une illustratrice que je suis sur internet. Donc vous voyez un petit peu ce qu'elle fait, c'est super joli, j'adore. Alors j'ai copié un dessin d'elle. Hop, je me baisse parce qu'ils sont là. Voilà. Alors c'est le chapeau de sorcière. Je ne sais même pas si j'ai le droit de vous le montrer, hein, parce que c'est une pâle copie. Mais donc voilà. J'adore. Alors j'ai découvert une artiste qui est géniale aussi, c'est Julie Adore. Alors elle fait beaucoup de découpage et de collage. Donc voilà un petit peu ce qu'elle fait aussi. Et c'est. Alors j'ai acheté ses livres. Donc le collage créatif. Donc ça c'est beaucoup du découpage et du collage. Mais j'ai acheté celui-ci aussi. Alors celui-là, il est génial parce que quand on ne sait pas dessiner, parce que mes dessins sont très enfantins et je ne sais pas dessiner en fait, eh bien il aide à dessiner des fleurs. Donc en fait, elle apprend, voilà, elle simplifie tout. Et du coup, dans ce livre, on peut apprendre à dessiner des fleurs très simples. Et ensuite, eh bien je les peins à l'aquarelle, des feuilles. C'est vraiment, c'est génial. Voilà, elle nous apprend à faire ce genre de choses simplifiées. Et donc là, par exemple, là, c'est à l'aquarelle. Alors franchement, c'est génial. Donc Julie Adore, ben, vous voyez un petit peu aussi ce qu'elle fait là. On la retrouve sur YouTube, sur Insta, et elle fait des cours aussi sur cette fameuse plateforme de cours en vidéo qui s'appelle Artesane, qui est géniale. Et donc j'ai acheté un cours avec elle, et franchement, je vous le conseille, c'est génial. J'ai aussi acheté un cours sur Artesane d'aquarelle, c'est vraiment super. Leurs cours, franchement, sont. Enfin, les deux que j'ai faits sont super. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, comme d'habitude. Et donc, ce sont des cours qui sont payants. C'est une plateforme qui propose des cours de dessin, tout ce qui est graphique, hein, peinture, gouache, aquarelle, BD, enfin, etc. Tout ce qui.
Et elle propose des cours qui ont rapport au fil, donc tout ce qui est tricot, couture, crochet et sûrement d'autres. Franchement, il y a un grand choix et c'est vraiment, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voilà, pour avoir essayé 2 fois, c'est très sérieux. Alors, sinon, comme artiste que je suis, alors elle s'appelle Solela Ancré Aquarelle. Donc ça, c'est une personne que je suis sur Insta, qui propose aussi des petits tutos sympas. Et donc, voilà, elle fait, c'est un petit peu son style est un peu différent. Et il y a aussi Saléandre, donc qui est géniale aussi. Donc là, vous voyez aussi un petit peu ce qu'elle fait. Toujours sur Insta aussi. Et donc, ah oui, et une illustratrice que j'adore, c'est Le Prince aux petits pois. Donc, ouais, c'est vraiment génial. J'adore son univers. Donc là, voilà, je vous partage un petit peu aussi ce qu'elle fait. Donc voilà. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais c'est en fouillant, hein, sur Insta, on trouve des artistes très doués. Donc voilà, bah, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous parler. Ah oui, si, non, j'oublie quelque chose de très important. C'est une artiste aussi que j'adore, qui fait énormément de cours payants et gratuits sur YouTube. C'est Les Tribulations de Marie. Vous connaissez peut-être parce qu'elle est très connue. Alors, Les Tribulations de Marie, c'est génial pour débuter. Je vous mettrai aussi les liens des quelques cours qu'il y a sur YouTube. Voilà ce qu'elle fait un petit peu, Marie. Et dernièrement, elle a proposé un kit aquarelle pour dessiner des plantes de la jungle et des animaux de la jungle. Donc en fait, c'est un kit qui se présente comme ça. Elle travaille avec Sennelier. Voilà. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et donc dedans, elle nous propose une petite palette de peintures avec des peintures Sennelier qui se présentent comme ça. Hop. Donc il y a toutes les couleurs très vives qu'on peut retrouver dans la jungle. Il y a du papier en coton. Il y a un petit livre qui explique comment faire ce joli toucan avec une vidéo gratuite aussi pour que ça soit plus facile. Et aussi, il y a un pinceau dedans Raphaël, le top du top. Enfin, moi j'adore. Voilà, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Maintenant, je suis pressée, c'est de commencer les tutos qui vont avec, parce que ça a l'air bien sympa. Donc voilà pour ce petit moment aquarellable. Donc j'espère que ça vous a donné envie. Je vous dis à bientôt. Je vous retrouve au long de ce petit vlog. Là, je voudrais vous présenter un petit peu mes avancées. Je crois que je vous avais montré mon sac avec mes carrés granit. C'est un tuto de les mains dans l'air sur YouTube. Je vous remettrai à l'occasion le lien. Normalement, ça doit donner ça. Et moi, j'en suis. Alors, j'ai tout fini mes carrés. Et j'ai. Alors. Je retrouve plus le sens. Excusez-moi. Si tu sais tout emmêlé, c'est pas évident. Ah, voilà. Parce qu'en fait, ça fait une grande bande comme ça. On coud au fur et à mesure selon le schéma qu'elle montre. Voilà. J'en suis là. Donc, ça sera la pliure. Donc, là, il y a la anse qui va arriver, que mon papa va nous faire avec la machine 3D. Ça se replie, hein, sur le côté. Donc voilà, ça fait un petit peu loque là, mais tous ces jolis carrés granit. Avec cette laine que j'adore, la Drops. Drops Népal. Je crois que je vous avais dit. Donc voilà, pour le sac, j'en suis là. Parce que des fois, j'ai l'impression que je me répète. Alors, c'est pas super intéressant pour vous.
Ensuite, ma couverture. Je suis à 23 carrés, j'en ai encore 6 à faire et je peux commencer à tout assembler. Donc, je vous avais montré, je crois, les pelotes, mais je devrais faire regarder ce que je vous ai montré avant de parler. Peut-être ce serait mieux. Donc voilà, en fait, j'ai fait plein plein de carrés. Alors, il y a là, j'ai voulu mettre des couleurs pour cet hiver dans ma salle. Je ferai un coussin aussi qui va avec les mêmes carrés. Alors, je crois que je vous la montrerai quand elle sera cousue, ça sera plus pratique. Je vous montre quand même les différentes couleurs. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouille, du rose, avec les fleurs parfois différentes, parfois pas. Là, on voit bien la fleur du coup, comme elle a une couleur différente. Voilà. Donc tout ça, ben, maintenant, c'est à assembler et puis je voudrais peut-être essayer de la doubler, mais j'ai du mal à trouver le tissu qui pourrait aller. Donc ça, c'est ma couverture qui a bien avancé. Ensuite, je voulais vous montrer le châle qui est sur que j'ai. Ben, je vous ai montré la laine pendant les vacances. Donc j'ai fini ce châle qui est pour mon amie Chris, que vous voyez là en photo, qui est magnifique. Alors je suis contente parce qu'elle était ravie. Et parce qu'on, comme je vous expliquais, on se fait des petits cadeaux. Et moi, en fait, elle m'a offert enfin, il y a longtemps, non, mais pas récemment. Elle m'a offert Roussette. En fait, c'est ce petit renard. Je vous montre un peu le corps que j'adore. Alors, c'est un petit renard qui est fait au tricot. Et ben, je trouve que les amigurumis au tricot ne rendent pas pareil. Et je rêvais d'un amigurumi au tricot. Je les trouve trop beaux. Donc, elle m'a fait ce cadeau. Et en fait, là, il n'y a pas longtemps, parce qu'elle m'a fait plein de tenues au tricot. Enfin, c'est juste magnifique, quoi. Elle tricote super bien. Je vous mettrai c'est tiré de ce livre-là qui est génial pour les tricoteuses. Super ce livre, je vous le conseille. Et donc, du coup, eh bien, elle m'a offert ses petits habits, là, nouveaux. J'en ai plein, hein, avec les chaussons, l'écharpe. Donc voilà les petits cadeaux qu'on se fait. Je voulais vous le montrer pour celles qui tricotent. C'est vraiment chouette, c'est très joli. Voilà. Alors, j'ai avancé aussi mon pull, ma veste. C'est pareil avec la drops. Alors, je vous en ai parlé, hein, c'est ces fameux deux morceaux qu'on a grandis. Donc, vous voyez, là, j'ai bien avancé ce côté-là. Hop. Sais pas comment je pourrais vous montrer. C'est pas très évident. J'aurais dû épingler les manches. Voilà. Non, voilà pas. Ça y est, je suis perdue. Ah voilà. Hop, hop. On va donner. Là, on commence à voir quelque chose comme ça. Donc après, je fais l'autre côté et après, je vais allonger parce que je la veux longue. Hein, je la veux en dessous des fesses. Voilà ce que ça donne. Donc, je suis bien contente. Toujours en bride. Hein. Et donc j'ai commencé l'autre côté. J'ai encore deux rangs à faire, je pense, pour être au même niveau que le premier côté. Ensuite, je les couds et après, je rallonge les manches et le bas. Donc voilà pour le gilet. Bientôt, vous le verrez terminé, j'espère. Alors, je suis un petit peu emmêlée avec le fil de mon micro. C'est pas grave. Je voulais vous montrer aussi. Ah voilà. Alors avec l'imprimante 3D de mon papa, il nous a fait ça. Ce sont des fonds de corbeille. Donc ça, j'en mettrai peut-être sur la boutique, sur notre petite boutique Etsy. Voilà, je vous montre de près. Donc on fait toutes les dimensions qu'on veut pour les fonds de corbeille et on inscrit ce qu'on veut. Alors là, moi j'ai choisi un cœur. Je ne sais pas si on voit bien, la lumière est pas terrible ce soir. Là, j'ai inscrit, voilà, c'est sur le noir, on ne voit pas, on va voir sur celui-là, crochet fascicule. Et on peut inscrire tout ce qu'on veut. Et il y a plein de couleurs, du jaune, du rouge, du vert, du couleur bois. Et donc, j'aimerais bien les mettre sur la petite boutique. Et vous pouvez voilà, commander la grandeur que vous souhaitez avec l'inscription que vous souhaitez. Je trouve ça super sympa.
à l'occasion, on ne sait pas encore. Donc avec ça, on a fait donc des petites corbeilles pour l'association, puisqu'on va faire un marché pour gagner un petit peu de sous pour l'association. Alors, je voulais vous montrer du coup ce que ça donnait. Donc voilà, un fond et les corbeilles. Donc là, j'ai mis des lanières en cuir. Ce sont des lanières au mètre. Donc, ce sont des brides. Là, il y en a une et une deuxième. Je trouvais très... Voilà. Et là, c'était un fond noir. Très sympa. Donc, on fait le tour en maille serrée pour le premier tour. Et ensuite, je suis montée en bride. Et j'ai crocheté dans la maille arrière. C'est pour ça qu'on voit ce petit dessin, on le voit mieux là. Les petits traits comme ça. Je trouve ça joli. Oups, mon micro s'est débranché. Ah, attendez, je me rebranche parce que sinon vous n'allez pas entendre. Oh le bazar. Mais vous ne voyez pas. Bazar, hein. Là j'ai tout mon fil de micro qui est emmêlé dans mon fil de laine. C'est enfin bon, bref. Donc je disais, puis tout bouge, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Je suis désolée, je couperai peut-être. En plus là, on voit ma lampe. Oh non, j'avais pas vu. Oh super. Bon bah, hein. J'ai un côté tout plein d'ombre. Bon, c'est pas grave, je vais être rapide. Donc je disais que je monte, donc le premier tour quand on passe dans les trous, c'est en maille serrée. Ensuite, je monte en bride dans la maille arrière pour donner ce dessin là de trait. Et je finis par des mailles serrées mais à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de repartir du bon côté, je repars de l'autre côté. Ça fait un bord qui est différent en fait. Ensuite, ça sont des lanières achetées sur Amazon en cuir au mètre. Il y a 15 mètres. Je vous mettrai le lien parce que ça, c'est génial pour les sacs à main, pour les corbeilles, pour plein de choses. Donc, je fais deux trous et je couds tout simplement les lanières. C'est vraiment tout simple, très facile à faire. Alors, avec donc ces fameux fonds, après, on peut faire la même chose sans fond. Hein. On fait juste le rond... le rond au crochet, hein, tout simplement, qu'on augmente à chaque fois. On part sur 6 mailles, on peut même partir sur des brides, ça va plus vite. 6 brides, ensuite on fait 2 brides dans chaque maille, donc on en est à 12. Ensuite on fait une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, puis ainsi de suite. Et vous faites le diamètre que vous souhaitez, puis ensuite vous montez comme je viens de vous l'expliquer. Voilà, il n'y a pas de... C'est pareil là, je vais vous montrer un sac que je vais offrir à ma maman mercredi. Donc ça va, je peux vous le présenter. On peut faire le fond aussi au crochet. Hein. Rien à acheter. Là, j'ai pris celui-ci de fond et j'ai pris... Alors, oh là là, j'ai trouvé ça trop génial. C'est de la ficelle de jute. Il y a 350 mètres. Je l'ai acheté à Weldom. Donc si vous avez un Weldom ou un marchand de bricolage, hein, j'imagine qu'il y en a partout. Alors, elle fait 350 mètres. Par contre, ils ne disent pas le diamètre de la ficelle. Alors, je vais vous montrer. Elle n'est pas très... Je l'ai crochetée au combien je l'ai crochetée? Ah, je ne sais plus, je note pas ça. Je devrais tenir un carnet parce que je voudrais m'en faire un après. Et je ne sais... sais plus. Je ne sais plus. Je l'ai crocheté au 6, je crois. Au 5 ou au 6. Non, au 6, puisque mon crochet 5, je l'ai perdu. Et donc, voilà, c'est ça. Ça coûte 2 euros... Allez, 3 euros, on va dire. Donc, il y a 350 mètres. Avec une, il m'en reste encore pas mal. Enfin, pas de quoi en faire un deuxième. Hein, mais il me reste, par exemple, de quoi faire une corbeille. J'ai fait ce sac-là. Voilà. Alors je vais m'en faire un aussi, ce que je l'adore. Donc du coup le fond c'est pas mal parce que c'est en plus c'est solide. On peut passer un coup d'éponge.
Bon, voilà, c'est l'avantage, hein. Après, un fond au crochet, c'est pareil, hein. Donc, tout fait. Alors, là, j'ai fait. Donc, le premier tour en maille serrée avec une augmentation à chaque... une là, à chaque coin. Et une là, une là. Et c'est tout pour les augmentations. Ensuite, je suis montée sans augmentation en bride, toujours dans la maille arrière pour donner ce trait là que vous voyez. C'est juste le fait de crocheter que dans la maille arrière. Donc j'ai fait un petit peu au hasard, hein, j'ai fait 3 rangs de bride. Là j'ai fait un rang de filet. Donc on monte 3 mailles en l'air, enfin une bride, une maille en l'air, on saute une maille. Faudrait que je vous fasse un tuto. Bon, en tout cas, le point filet, il est sur YouTube. Et je suis repartie sur des rangs de bride, puis des rangs de filet, puis des rangs de bride, etc. Et arrivée en haut, j'ai fait comme sur les corbeilles, j'ai fait un maille serré, mais en partant à l'envers. Voilà, pour finir le bord. Ça, c'est en cela, mais c'est pareil, on peut prendre ce que je vous ai montré, les anses en cuir au mètre. Là, c'est des anses que j'ai achetées sur le site de Lydia Crochet. Bah, des anses comme ça, on en trouve sur Raskol, on en trouve sur Amazon, on en trouve un peu partout. Donc là, je les ai cousues voilà, à l'extérieur, tout simplement. Et j'ai quand même fait une doublure. Par contre, alors, elle n'est pas cousue encore, c'est pour ça qu'il y a les épingles. Toute simple, hein, parce que je ne suis pas douée en couture. Donc voilà, mais je préférais quand même. Voilà pour ce sac. On le trouve super. Alors oui, j'ai pas mis de pression, mais je sais pas. Peut-être c'est un sac de plage ou à projet. Ou... Voilà. J'aime beaucoup ce sac. Je suis pressée de me faire le mien en fait. Donc voilà, je suis contente. J'espère que ça va lui montrer mon petit haut crochet qui a le même système que ma veste là. Je ne vous l'ai pas montré fini, vous ne l'avez pas vu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit tour de magie et vous allez le voir sur moi apparaître. Attention. Et voilà. Donc, voilà mon petit haut que j'ai terminé. Alors là, normalement, bon voilà, c'est quand je suis... Hop, ça fait un peu bizarre là. Mais... Voilà, voilà. Donc, en commençant, bah, comme vous avez vu au début, hein, je ne vais pas me répéter. Et donc, après, j'ai fait le bas. Je crois que j'ai fait une augmentation, là, pour avoir une espèce de pince. Je l'aime bien moyen, quoi. Moyen bien. J'ai le truc qui tremble, là. C'est le chat qui se frotte dessus. Je suis désolée. Donc, ça, et je voulais vous montrer ma fameuse robe, enfin, ma tunique, que j'ai fini... avant de partir en vacances, mais j'ai pas eu l'occasion de vous la montrer. Par contre, il faut la reprendre ici. Vous allez voir, il y a un défaut. Alors, attention. Et voilà. Donc, voilà ma tunique. Alors, je suis contente parce que j'adore le tissu. Et je suis super bien dedans. Alors, elle descend jusqu'au genou. Mais voilà, le problème, c'est ça. Il va falloir trouver une solution. Le cordon passe bien au bord, ça c'est sûr. Après, je sais pas pourquoi il y a autant de tissu qui dépasse. Donc, je sais pas, froncé ou... Je vais voir ça. Mais sinon, j'aime bien. Je la referai sûrement l'année prochaine avec d'autres tissus. On est super bien dedans. Donc, voilà ma petite tunique. Je l'aime bien quand même. Je suis bien dedans. Bon, bah ça va s'arranger. Voilà pour les choses terminées. Finalement, c'est plus un... Bon, c'est un vlog et un podcast. Hein. Pour les projets, je me suis acheté un gilet en laine dans les tons gris. Et donc, je voudrais me faire un béret. J'ai trouvé cette laine-là dans une farfouille. Donc, c'est la Jo. Il y a toutes les couleurs de cette laine. Elle est marrante et elle brille. Il y a plein de petites strass. Alors, il y en a de la jaune, de la orange, des couleurs pétantes super belles. Donc voilà, c'est le même gris que moi j'ai pris gris parce que mon gilet était gris. Je vais me faire un béret et des mitaines si j'ai assez. Mais je me demande si ça va pas être juste. Eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Si
Si j'ai oublié, je reviens vous voir et je vous dis à bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce petit vlog, un petit peu podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je voulais vous remercier vraiment énormément pour les compliments que j'ai eus, les petits messages que j'ai eus sur mon dernier vlog. C'est très encourageant, ça fait super plaisir, donc merci beaucoup. Pour le prochain vlog, je vous prépare une petite surprise. Ça sera le déroulement de la toison du mouton jusqu'au filage de la laine. Voilà, j'essaierai de vous montrer ça avec mon matériel. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à tout bientôt.